Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille et tout se porte bien. Si toute votre famille et tout se porte bien comme d'habitude, eh bien tant mieux. J'espère en tout cas que tout continuera à bien se porter pour eux et pour vous aussi les frères et sœurs. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo ouverture d'un colis. Mais avec l'IA, on est là et on espère que ce colis est bien ce qu'on pense qu'il est. D'accord. Donc, ça reste quand même assez mystérieux, entre guillemets. Mais vu que ce colis vient des États-Unis, je crois savoir. Comme d'habitude, les frères et sœurs, je fais appel aux gens qui aiment ce style de vidéo. Je sais, des fois, il y en a qui m'ont dit « Ouais, tonton, des fois, on est pris par la vidéo et forcément, on pense pas au like. » Eh ben là, juste quelques secondes, essaye de penser à mettre un petit like, ça ferait vraiment plaisir si tu aimes, en tout cas, ce style de vidéo. Alors, on a pas mal de colis en attente avec l'IA, on a acheté pas mal de choses en ce moment, on a des partenaires qui vont nous envoyer pas mal de choses, mais je pense quand même que ce n'est pas un partenaire qui nous a envoyé ça, et ça vient des États-Unis. Donc comme je vous l'ai dit, je crois savoir ce que c'est, et j'espère que c'est ça. Tu es prête? La lame, le mec il met 15 cm de lame quoi. Ouais, ça va. Ouh là 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 là. Connasse, ouvre-toi. Voilà. Eh oui. J'ai reçu ça, mon gars. C'est ce qu'on attendait. C'est qui l'abonné qui m'a trollé? C'est pour mettre ça dans les oreilles. Voilà, c'est qui? C'est qui m'a trollé comme ça? Non, je rigole, c'est pas du troll. Ça va. Il y a quelque chose dedans, Alors attends, ça je l'attrape, tu vois. Et oh! Alors, les frères et sœurs, je vous dis ça de vous à moi. Ce n'est malheureusement pas celui du million, je pense. Bah non. J'ai 1 million d'abonnés, pourquoi ils m'ont pas envoyé celui du million? Bon, j'avais très très peur de pas recevoir ce colis là parce que dans pas longtemps on part chez le père de l'IA et je pense tout simplement que c'est le trophée YouTube. Comme celui-ci, de ma chaîne Abdel Pas Drôle. Juste après, nous allons parler un tout petit peu de cette chaîne-là, et nous allons parler un peu de la chaîne GameX13, et je vais vous dire certaines choses, parce que c'est vrai que pour la plupart, vous regardez beaucoup mes pranks, vous regardez beaucoup mes vidéos gaming, vous regardez beaucoup mes dégustations, les vidéos IRL ou les vidéos vlogs qu'on peut faire, mais des fois, on prend pas réellement le temps de se poser et de parler un tout petit peu de mes chaînes YouTube. Et là, aujourd'hui, on va en profiter, on va en parler un peu. Donc vraiment, les frères et sœurs, si vous appréciez un minimum la chaîne GameX13 et un minimum la chaîne Abdel Pas Drôle, je vous demanderai vraiment de rester un minimum, d'accord? Vas-y, dis-nous ça, madame, s'il vous plaît. C'est en anglais, alors. Merci, au revoir. Hop. YouTube. J'aimerais juste vous dire un truc, merci à vous pour ce petit cadeau, c'est très gentil. Merci beaucoup à Suzanne, merci beaucoup à toi. Par contre Suzanne, juste la communauté FR, on a quand même pas mal d'abonnés, on a quand même pas mal de youtubeurs. Ça serait cool de pouvoir nous faire des petits papiers en français, voilà. Je demande pas plus hein. Ils se sont trompés, ils ont marqué Adèle pas drôle. Je rigole, elle a flippé, elle ouvrait les yeux. Eh mais il a changé. Eh il est plus gros. Ouais. Il est... il est plus gros que l'autre. What the fuck. Il est plus gros, il est plus beau. Il est plus gros. Regardez les frères et sœurs. Wouah. Il est plus gros que l'autre. Alors, je vais vous montrer. Alors, il est plus gros, plus lourd et largement plus beau. Derrière, ils ont mis un truc stylé, tu vois. C'est doux. Alors, bougez pas. Putain, Abdel pas drôle. Bon, attendez, bougez pas. Regardez, je vous montre juste Abdel pas drôle. Ils ont donné un sorte de bois derrière. Regardez, un bois derrière. Et je vous montre ça. C'est un petit trophée avec YouTube marqué dessus en rouge. Voilà. C'est du foutage de gueule. Putain, regardez ça! Est-ce que vous remarquez la différence ou pas? Même le truc Play est plus gros. Mais il est vraiment très très beau. Et il est vraiment plus gros que l'autre. Wallah, je suis vraiment très très fier d'avoir reçu mon deuxième trophée. Alors ça fait extrêmement, mais extrêmement plaisir.
Merci encore à YouTube, merci encore à tous mes abonnés, merci à la France et merci à l'Algérie. J'aurais même rien à voir, tu sais. Merci beaucoup les frères et sœurs, je vous remercie vraiment en tout cas d'être toujours présents pour la plupart d'entre vous. Là, on va commencer un petit peu à parler et on va parler vraiment avec le cœur, vous voyez. On va s'exprimer réellement et je vais vous expliquer certaines choses, d'accord. Je pense que sur la chaîne Abdel Pas Drôle, je vais envoyer un tout petit peu plus de podcasts avec moins de scènes et on va parler un petit peu plus. On pourra faire certaines analyses peut-être sur certains chanteurs, donner un peu notre avis, ça pourrait être sympa, des petites analyses comme ça. Ça pourrait être sympatoche, on verra bien. Mais voilà, la chaîne Abdel Pas Drôle, je tiens à vous le dire, c'est une chaîne que je considère comme une chaîne professionnelle et non pas comme une chaîne familier, hein, une chaîne de famille. GameX13, en fait, je vous explique, je n'ai pas peur de faire un contenu parce qu'en fait, vous, mes abonnés, pour la plupart, vous me considérez comme un membre de votre famille. Pourquoi? Parce que vous passez énormément de temps sur mes vidéos à me regarder. Et vu que moi, je passe énormément de temps à vous créer des contenus et que je passe beaucoup de temps à vous parler, que ce soit sur mon TS, sur mes lives ou sur ma chaîne YouTube GameX13, eh bien, forcément, vous êtes aussi quand même une seconde famille pour moi. Et donc, forcément, je me suis beaucoup attaché à vous et vous êtes des personnes en qui j'ai confiance. Pourquoi? Parce que je peux vraiment vous mettre tout et n'importe quoi sur ma chaîne. Je peux vous faire un vlog, une vidéo dégustation, le lendemain matin une vidéo gaming, et le lendemain matin une autre vidéo gaming, une autre vidéo gaming et une vidéo prank. Je sais que vous serez là, j'ai confiance en vous. Alors que comme je vous l'ai dit sur la chaîne Abdel Pas Drôle, justement, je n'ai pas encore cette confiance qui s'est installée. C'est une chaîne que je considère plus comme une chaîne pro que comme une chaîne de famille. Et GameX13, justement, c'est une chaîne que je considère comme une chaîne de famille parce que vous aussi, vous êtes très proche de moi, vous êtes très proche de nous parce que ça fait 4 ans que cette chaîne existe. Elle est pratiquement à 1500 vidéos, ce qui veut dire que pour la plupart, vous en avez quand même passé du temps entre guillemets avec moi, d'accord? Avec moi, derrière un ordinateur, à travers un écran, mais vous avez quand même passé beaucoup de temps. C'est comme moi, quand on regarde une série The Walking Dead ou qu'on regarde une série, on s'attache un peu à la personne, au personnage. Vous le savez, je pense que vous m'avez compris. Vous vous êtes jamais senti proche d'un personnage, d'un film que vous appréciez ou quoi? Bah, c'est pareil un peu sur YouTube, vous passez énormément de temps à nous regarder et forcément, ça crée des liens et forcément, vous vous sentez très proche du YouTuber. Comme je l'ai dit, Abdel Pas Drôle, c'est pas une chaîne où vous allez vous sentir proche de moi parce que c'est une chaîne où je sors une vidéo par mois, voire une vidéo tous les 2 mois. Forcément, je ne suis pas très actif, voire pas du tout. Donc forcément, vous ne pouvez pas réellement vous attacher à moi. Alors que GameX13, c'est tout le contraire. C'est 2 à 3 vidéos par jour. Et là, forcément, à force de me regarder et à force de passer du temps avec moi, avec l'IA et avec Momo, bah, vous finissez par vous attacher à nous. Et moi, en fait, j'ai tellement... je suis tellement dans cette idée-là aussi. Je me suis tellement attaché à vous que je n'ai pas peur de vous faire un contenu. J'ai entièrement confiance en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que vous serez toujours là pour liker, pour laisser des super bons commentaires qui font plaisir. Et du coup, je n'ai jamais peur sur cette chaîne. Je peux faire ce que je veux. J'ai confiance en vous. J'ai une totale confiance en vous. Je sais que vous ne serez jamais des salauds avec moi dans l'espace commentaire. Je sais que vous serez toujours vous contrôler ou toujours me respecter, justement. Et c'est l'inverse de la chaîne Abdel Pas Drôle. C'est une chaîne que je considère comme une chaîne professionnelle. Et c'est une chaîne où je n'upload pas beaucoup de vidéos. Donc forcément, les gens sont un peu moins attachés à moi. Donc quand il faut me dire un truc méchant, bah n'hésite pas des fois à me tacler ou à aller un peu dans la méchanceté ou à me découper en deux, si tu vois ce que je veux dire. Donc forcément, des fois, les gens sont un peu moins indulgents sur Abdel Pas Drôle et le sont beaucoup plus sur GameX13. En tout cas, j'ai pu vous montrer, les frères et sœurs, ces 2 petits trophées. Et je vous le répète encore à ma communauté GameX13, je vous considère vraiment comme ma famille parce que je passe énormément de temps à vous créer du contenu et vous, vous passez énormément de temps à le regarder. Donc vous aussi, vous vous sentez énormément proche de nous. Ne vous inquiétez pas aux personnes qui sont abonnées à ma chaîne Abdel Pas Drôle, ne vous inquiétez pas, le podcast va reprendre, mais on fera des podcasts tout simplement tranquilles, sans forcément mettre des mises en scène ou quoi que ce soit. On fera des trucs simples et on va faire des trucs vraiment cool. Ne vous inquiétez pas. Dans la description, je vous partagerai tout simplement la chaîne Abdel Pas Drôle pour ceux qui ne sont pas abonnés, la chaîne GameX13 Replay où je mets les replays de mes lives et je vous partagerai également la chaîne Mademoiselle Lia qui sera également aussi en description. Je compte sur vous pour tout aller voir, tout sera en description, toutes les chaînes seront en description. En tout cas, vous avez pu voir la différence de ces 2 trophées, c'est juste un truc de ouf. Et je suis super content d'avoir reçu ce colis. Je vous remercie et je te remercie à toi aussi mon cœur parce que même si on ne te voit pas beaucoup sur la chaîne, tu es là, c'est toi qui t'occupes des montages et c'est surtout toi qui t'occupes aussi des miniatures sur la chaîne. Et c'est ce que les abonnés ne savent pas souvent, c'est que forcément des fois, la personne qui est cachée, c'est celle qui a le plus de mérite et c'est forcément pas elle souvent qui en remercie. Voilà, donc dans l'espace commentaire, je veux un maximum de merci Tata ou merci Lia, comme vous préférez, si vous voulez appeler Tata par simple respect et parce que bah voilà, vous êtes attaché à elle, n'hésitez pas à l'appeler Tata. Bon, en tout cas, je vous remercie, je vous montre encore la différence entre les 2. Voilà, la différence, elle est vraiment
flagrante. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Je vous dis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner pour plus de vidéos. On vous dit à très très bientôt. Et vous inquiétez pas, j'ai vu que vous aimez ces petites vidéos déballage. On vous en fera plus souvent. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. Prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao! Take my hand through the flame.